Coucou, salut, bonjour et bienvenue en cuisine avec Zi. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire du poisson rouge qu'on appelle rouget communément dans mon pays. Je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez. Si vous connaissez le vrai nom de ce poisson, n'oubliez pas de me laisser en commentaire. Je vais accompagner ce poisson aux feuilles des courges qu'on appelle bibois-bois. Comme ingrédients, j'ai besoin de l'aubergine africaine, de la ciboulette, des oignons, du poivron rouge, vert et jaune, de la tomate, enfin d'arachide en poudre. La première étape est d'arranger mes légumes, les couper et les nettoyer. Je tenais à m'excuser pour cette brève interruption et à remercier chacun d'entre vous pour vos messages de soutien et de cœur pendant mon absence. Vos encouragements ont été incroyablement motivants et j'en suis tellement reconnaissante de voir à quel point vous êtes aussi nombreux à me soutenir. Je suis de retour et prête à vous offrir encore plus de recettes et de contenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout dernier achat, des magnifiques casseroles en fer avec un revêtement anti-adhésif. Vous les trouverez à At Home pour ceux qui vivent en Afrique du Sud. Je vous laisserai le lien en bas des descriptions. Regardez comment elles sont magnifiques. Elles sont très très jolies. Je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je remercie Monsieur mon mari de me les avoir offerte. Merci, merci infiniment. Mais revoilà, ce légume vient de mon jardin. Donc, il faut très très bien les nettoyer et s'assurer d'avoir un très bon résultat. Voilà, la prochaine étape est de préparer nos légumes. On va bouillir de l'eau chaude dans une casserole avec du sel qu'on va mettre nos légumes. Après quelques minutes, on va venir avec les aubergines, les oignons, de la tomate, nos poivrons. On va y ajouter de l'arachide, enfin de l'huile, qu'on va laisser encore bouillir pendant quelques minutes. On va suivre l'image. Les jeunes feuilles des courges sont plus faciles à préparer car elles n'ont pas encore d'épines aussi prononcées. Cependant, les propriétés nutritives sont considérables, contiennent beaucoup de vitamines et des minéraux. Voilà, on va ajouter les cubes parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup mis beaucoup de sel. Voilà, on va mettre du piment et puis on va laisser bouillir pendant quelques minutes. On va couvrir. Ouh, un très bon légume que vous pouvez accompagner de tout ce que vous avez. Regardez, très très bon. Yo, c'est... Place au poisson. Je commence par m'excuser de ne pas montrer comment j'ai nettoyé mes poissons, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent et le font très bien. Seulement, un détail important, j'ai coupé les têtes de mes poissons. Ce n'est pas très important. La raison pour laquelle j'ai coupé les têtes, c'est pour permettre à mes enfants de les manger. Mais sinon, moi-même, j'adore les têtes de poissons. Voilà, on va passer à la cuisson, à
à l'huile de mes poissons. On va les frire normalement comme on frit tous les poissons. Et puis on va passer à la petite sauce que j'ai fait pour accompagner ces poissons. J'ai fait cette sauce avec de l'oignon, de la tomate, mais j'ai ajouté les mulinda. Comment on appelle ça? Les dongo dongo. Yeah. J'ai ajouté les dongo dongo entiers. J'ai mis la sauce normalement, les tomates et tout, que je vais laisser bouillir pendant quelques minutes. Et puis, je vais mettre le poisson dedans. Donc, c'est une sauce très facile à réaliser. Essayez chez vous. C'était très bon, surtout mes enfants, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Yeah, on va suivre en image. Voilà, dès que nos tomates sont cuites, on va ajouter du poisson dedans et on va laisser mijoter pendant... je n'ai pas dit mijoter depuis que j'ai commencé, voilà. On va mijoter. On va mijoter un peu. Oh my God. Bon, certaines connaissent pourquoi je ris. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'appellent mijoter maintenant. Mais ce n'est pas grave. C'est ça les termes qu'il faut. On va laisser mijoter pendant quelques temps. Et puis on va ajouter du poisson dedans. Allez, suivant. Et puis on va finir. Poisson rouge, communément appelé rugé, est originaire de côtes marocaines dans les Méditerranées et la mer Noire. Ce poisson a un effet protecteur cardiovasculaire et contribue ainsi à prévenir le vieillissement prématuré des cellules. Ce poisson est généralement frit, gris, rarement cru, peut-être s'accommode avec plusieurs repas ou un bon vin. Ou une bière. Voilà, on va laisser bouillir pendant 5 à 7 minutes. Ça sera la fin de la recette. Un mets très facile et très bon à offrir à votre famille. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi vos pouces, vos commentaires. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Bye!